Aurais-tu le devoir d'anglais un peu? Going to pet aux frettes. Good idea! De toute façon, moi, faut que j'y aille. Ah, t'as pas le temps de réviser la philo un peu? Non, je peux pas vraiment. Notre répétition commence dans une demi-heure. Penses-tu que vous allez être prêts pour demain? J'espère, mais je suis vraiment pas sûr. Ah, ça va bien marcher, tu vas voir. Le monde n'ira pas vous lancer des tomates, c'est pour une bonne cause. Ouais, je sais bien. Mais quand même, le financement du voyage au Honduras, c'est important. Je veux que le spectacle soit écœurant. Bon, je t'en parle demain. Salut! Ouais, on a pris les devoirs de philo qu'on avait. Étienne, qu'est-ce que tu fais là? J'ai oublié mon agenda. Tu m'avais dit que t'as trouvé ton goût, la prof, mais je savais pas que t'avais un kick à ce point-là. J'ai pas de kick sur Sophie. Je la trouve juste vraiment belle. Ben, remarque. Si t'avais un kick sur elle, y'aurait pas de mal non plus. Tu vas avoir 18 ans bientôt. Ben oui, c'est ça. J'aurais juste à attendre d'être majeur, puis je pourrais m'essayer pour vrai. Ben oui. C'est là que les vrais problèmes commenceraient. Tu te retrouverais avec son chum de 35 ans sur le dos. Eh oui, hein? Eh oui. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un chum? Ah, oh, je sais pas. Mais le gars qui s'occupe du son sur notre spectacle, c'est son cousin. Je pourrais lui demander ce soir. Ben oui, fais donc ça. Comme ça, je vais savoir si je peux avoir mon temps avec elle. Bon, mais là, c'est vrai, j'y vais. Salut. Salut, là. J'espère qu'elle a un chum. Ce serait tellement moins compliqué. Le train partira pas sans toi. Constance! Hey, au cas où vous l'auriez oublié, le spectacle, c'est demain. On n'a pas le temps de niaiser. Oh, arrête de capoter, je suis certaine que ça va bien aller. Ben, y a pas juste ça. Y a aussi la vente des billets. Jusqu'à maintenant, c'est pas fort fort. J'aurais bien voulu faire plus de promotion, mais avec l'argent que j'avais, t'sais, y a des limites à faire des miracles. Le spectacle, c'est le principal moyen de financement du voyage. Si on se plante, préparez-vous à vendre du chocolat pendant des mois. Ouais. Il y a bien raison, hein. On a trouvé un moyen d'augmenter les ventes. Ouais. Il reste plus grand temps. As-tu des idées, toi? Allez, passe vite! Nathan, t'es pas drôle. Ben là, je suis sûr que tu l'attraperais. Les sportifs sont supposés avoir de super bons réflexes. Bof. Ouais, c'est les promesses d'achat du Caisse Blue. Oui. Il y en a pas beaucoup, J'appelle pas ça pas beaucoup. J'appelle ça super poche. Arrête de paniquer, là. Je suis sûr qu'à un moment donné, là, ça va décoller. Ouais, mais si on s'écrase juste après le décollage, ce sera pas mieux. Ça me tente pas de faire rire de moi à la soirée des entrepreneurs en herbe. Parce que si ça continue comme ça... À vendre pas cher, mais vraiment pas cher. Du Casse Blue pour écrire toutes sortes de notes inutiles dans votre porte-casse. Lecteur MP3, billet de saison de ski, voyage dans le sud gratuit en prime. Une occasion à ne pas manquer. Puis je suis certain que j'exagère même pas. Je suis sûr que t'exagères. Mais si on avait fait une étude de marché comme je voulais, on n'en serait pas là. Je trouve ça têteux, moi, les études de marché. C'est peut-être têteux, mais on est obligé d'en faire une. Xavier va vérifier nos données, puis il va falloir y remettre un document. Il va falloir faire ça vite. J'ai les questionnaires. Il suffit juste de les distribuer. On pourrait en remplir quelques-uns nous-mêmes. Ça irait plus vite. Mais franchement, Nathan, si tu veux tricher au concours des entrepreneurs, ben tu le feras tout seul. Parce que moi, je débarque. Hey, respire pas le nez, là. Je niaisais. Pas sûr de ça que tu niaisais, moi. J'en ai plein mon casque de toi. Qu'est-ce qui arrive avec toi de ce temps-ci, là? T'es souvent de mauvaise humeur. Je sais pas, là. Je vais essayer de faire attention. Juste une mauvaise pause. OK. Pour l'étude de marché, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait essayer d'en faire remplir le plus possible aujourd'hui. C'est beau. Je vais aller au cégep ce midi. Si on élargit notre clientèle, on a sûrement plus de chances d'en vendre. Moi, je vais aller à l'école. On est mieux de faire ça chacun de notre bord, sinon ça pourrait mal aller. Salut! Salut!
pris ta répétition? Une catastrophe. Il n'y a rien qui a marché. Tu sais ce qu'on dit, quand la répétition est ratée, la première se passe bien. Mais si c'est vrai, la première va être géniale. Ce qui me fatigue le plus, c'est mon numéro de stand-up. C'est comme pas assez drôle. Faut que je retravaille mon monologue, mais je sais pas par quel bout le prendre. Je me demandais si... Si quoi? Si tu peux me donner un coup de main. C'est mon numéro sur le couple. Il me semble que t'en sais assez là-dedans pour m'aider. Ouais, mais avant, as-tu eu le temps de parler au cousin de Sophie? À qui? Ah oui, le gars de son. Ah, excuse, Simon, ton chien est mort et marié. Marié? T'es sûr? 100%. Ah, ben... Coudon. Ah, ça va être pas mal moins compliqué comme ça. Ben non, je te niaise. Hein? Je sais pas si Sophie est mariée ou pas, j'aimais pas parler à son cousin. Ça t'a remplacé. Et pourquoi tu m'as dit ça d'abord? Pour te faire une farce? Ah, mais c'est pas des farces à faire. Mais on se montre, t'es donc même bizarre. Tu réagis comme si t'étais en amour avec elle. Es-tu en amour avec elle? OK. Puis, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. C'est ça que j'aimerais rien faire. C'est pour ça que si j'apprenais qu'elle avait un chum, ça serait bien plus simple. Ouais. Je me ferais une raison, puis je garderais ça pour moi. C'est vrai qu'avouer son amour à une fille de 30 ans, ça doit pas être évident. Voyons, qu'est-ce que tu dis là? Elle a pas 30 ans? Ah, d'après moi, oui. Oublie pas qu'elle est prof de cégep, là, elle a l'air d'avoir 26-27, mais d'après moi, elle a au moins 30. Ben, tu vois, ça aussi, ça serait une autre bonne raison pour me fermer à trappe. Puis le sport aussi. Tu sais, si elle est pas sportive, là, je pourrais pas sortir avec elle. Voyons donc, t'as sorti avec Karine, puis elle est pas sportive pour deux semaines. Ouais, mais ça a pas marché non plus. Ah ouais. Non, si j'apprends que Sophie a plus que 30 ans, qu'elle est pas sportive ou qu'elle a un chum, j'y en parle pas, puis je vais garder ça pour moi. Est-ce que vous avez trouvé mon caisse bleue? OK. Ah, merci. Excuse, je te jure, j'ai pas fait exprès. Hey, pour un gars qui voulait m'aider, je te dis que ça commence bien. Ouais, là, je t'en dois une. Allô, Simon? Est-ce que je peux te déranger une minute? Oh oui, pas de problème, tu me déranges pas. Je t'ai apporté ça. D'après moi, là, tu vas l'aimer. C'est sur les questions éthiques qui sont amenées par les nouvelles technologies. Tu sais, je t'en avais parlé la semaine dernière. Ouais. Ah, mais merci. Je sais pas si je vais avoir le temps de le finir avant la fin de la session. Ah, c'est pas grave, tu me le remettras à la prochaine session. Même si je suis plus ton prof, on va sûrement se revoir. Ben oui, sûrement. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tu m'en redonneras des nouvelles. Cool. Salut. Ah, salut, Loïc. Je savais pas que t'étais aussi pressé de rentrer au cégep. Non, c'est pas ça. Je fais une étude de marché auprès des étudiants de cégep. C'est juste une dizaine de questions. Ça tente de remplir le questionnaire avec ton ami. Je peux bien répondre à ton questionnaire, mais je suis pas étudiante, moi. Je m'appelle Sophie, je suis la prof de philo de Simon. Ah, ouais? Vous avez l'air super jeune. Pas juste l'air, allez. Ton étude a marché, pourquoi? C'est pour mon quasi-blue. Et qu'est-ce que c'est, un quasi-blue? C'est un tableau aimanté qu'on installe dans une porte de casier. Hein, je vais vous le montrer, j'en ai un dans mon sac. Si Sophie voit ce que j'ai écrit sur le tableau, je suis faite. Oh! Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, ben, je sais pas, excuse-moi. D'habitude, c'est toujours moi qui fais ce genre d'affaires, là. Mais pourquoi tu fouilles dans mon sac, Simon? Panique pas, je fais juste montrer ton tableau à Sophie. Tiens, c'est Loïc qui a parti ça avec mon frère Nathan dans un programme d'entrepreneur. Le quasi-blo, hein? Ah, il a de la gueule, puis il a l'air fonctionnel. Tes réponses vont m'aider à le personnaliser pour les étudiants. C'est notre clientèle cible.
Mais pourquoi pas les professeurs? On peut le mettre dans notre porte de casier, nous autres aussi. Ah, c'est vrai. Hey, donne-moi un questionnaire. Je vais t'aider à l'élargir, ton public cible. Avec plaisir. Je vais passer chercher les copies tantôt. Cool. Salut. Sexe masculin, âge. Elle a 28 ans, yes! Comment ça, yes? Qu'est-ce que je dis là, moi? Fait une raison de moins pour tenir sa mort. Voyons, où est-ce que j'ai mis ça? Qu'est-ce que tu cherches, hein? Mon souvenir vert. C'est parce qu'il y a eu dans tes cheveux. Ouais, je dois vraiment être stressée. Ah, moi aussi, là, le spectacle, ça me met sur les nerfs. C'est pas ton spectacle que ton idée de promotion au cégep. Non, mais c'est notre dernière chance de faire augmenter la vente des billets. On n'a pas le choix. Constance, va pas ta part. Ben, pourquoi? Tu veux fouiller pour voir tout ce qu'il y a dedans? Ben non, là, je fais une étude de marché pour notre casse-bleu. Mais ça peut pas attendre, on a un cours, là. Si vous dites oui, je vous achète un billet pour ce soir. Mmh. Ouais, t'es d'affaires, mon Nathan. Ah, c'est correct. Merci. Bon, premièrement, je veux juste voir qu'est-ce qu'il y a dans la porte de case. Ah ben, finalement, j'avais raison. Tu veux fouiller. Ben non. Bon, un horaire des cours. Évidemment, un petit miroir. Ouais, c'est toutes les filles en ont un. Oh, un petit mot d'amour de Manolo! Ah, oh, ça, toutes les filles rêvent d'en avoir un. Les autres. Pis ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un vide-poche. Ben, c'est surtout pour mettre de la monnaie, en fait. Mmh, c'est pratique. Mmh. Je vais juste vérifier une dernière affaire. Le problème du Canadien, c'est que pendant des années, ils ont essayé de pratiquer un style défensif. Ouais, l'objectif, c'était pas de gagner, c'était de pas perdre. Ouais, le résultat, c'est une équipe pas pourrie, mais pas championne non plus, qui restait toujours au milieu du classement. Ouais, puis ça donne du hockey plate. Plate? Mais, hein? Moi, là, les équipes qui se replient à quatre à ligne bleue, ça me fait enrager. T'as bien raison. Mais depuis quelque temps, l'équipe a recommencé à miser sur l'attaque. Exact. Je pense que si le Canadien continue à jouer son style, là, le spectacle va être meilleur, puis ils ont des chances d'aller loin en série. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mmh. Hey, elle connaît son hockey, en plus. Ça doit te faire drôle de parler de hockey avec ton prof de philo, hein? Non, non, pas tant que ça. On peut aimer le sport puis philosopher en même temps. T'as raison. D'ailleurs, je prépare une thèse de doctorat sur la dialectique hégélienne inhérente aux séries finales de la Coupe Stanley dans une perspective politico-historique. Comment? Ben non, je te fais marcher. J'espère. Je me demande si c'est une bague de mariage. C'est ma tasse de café qui te fascine ou ma bague de tennis? Ah, tu joues au tennis? Ouais. J'ai été professeur pendant 10 ans. J'ai arrêté pendant ma maîtrise, j'avais plus le temps. J'ai reçu cette bague-là en récompense pour mes loyaux services. Et ça fait vraiment exprès. Y a rien de plus sexy qu'une joueuse de tennis. Si au moins son sport, c'était l'haltérophilie. Elle doit être belle, même en levant des poids. Ouais, être professeur de tennis en même temps que tes études, ça devait pas être évident. Je te comprends d'avoir arrêté. J'ai quand même recommencé à jouer cette année, ça me manquait trop. Puis est-ce que c'est ce sport que tu pratiques? Non, il y a la planche à neige tous les samedis pendant l'hiver. Un esprit sain dans un corps sain, c'est pas mal ma devise. Ouais. Petite enquête de ce midi, si on fait seulement 3 petites modifications à notre casse-bleu, il devrait être parfait pour notre clientèle. OK. C'est quoi tes 3 petites modifications? Premièrement, on va acheter un petit miroir dans le bas. Pour les filles, là, c'est un accessoire indispensable dans la porte de case. OK, mais pour les gars? Ben, c'est aussi utile pour les garçons. Ils regarderont s'ils ont quelque chose de pris dedans. Je sais pas, moi, là. On va aussi ajouter un vide-poche dans l'autre coin pour mettre la monnaie ou toutes sortes de petites gugus. Je suis pas sûr. Ça va augmenter le poids de notre casse-bleu.
Puis ta troisième modification, c'est quoi? C'est un changement un peu plus important. Ce midi, je me suis rendu compte de quelque chose d'un peu plate. Ça, c'est un vide-poche. Ben, ça sert surtout à mettre la monnaie, en fait. C'est pratique. Je vais juste vérifier une dernière affaire. Mmh. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Notre casse-blo, il rentre pas dans une porte de case. Hein? Je te jure, il est juste une petite affaire trop large. C'est donc bien niaiseux. Depuis le début qu'on veut le vendre à des étudiants. Moi, je m'en suis rendu compte avant qu'on en fasse faire 300. Il est quand même tort. Il fallait y penser avant. Donc ben niaiseux. Mais non, on a juste à modifier le plan. Ils ont enfin monté le prix, puis ton miroir aussi. Ça marchera jamais, ce projet-là. Hey, capote pas, là, c'est normal d'avoir adapté un nouveau produit. Non, c'est pas normal. Hey, y a rien qui est normal depuis un bout de temps. Oh. Maudit. J'ai mal aux genoux, juste à donner un petit coup de pied dans la table. Qu'est-ce que ça va être quand je vais recommencer à plonger? Ça va s'arranger. Ouais, mais quand? Si ça continue comme ça, je pourrais plus faire de compétition. Ça va être fini. Excuse-moi. Je t'envoie ça en pleine face. Je suis pas correct. Mais non, là, je te comprendrai de fru. Fru, c'est pas le mot. Depuis que je me suis blessé, tout me tombe ses nerfs. Je vois les autres gars qui continuent de s'améliorer en plongeant, puis moi, je reste chez nous à rien faire. Je capote. Peut-être que tu devrais focusser sur des choses qui vont bien. Comme quoi? Ben, comme notre casse-blo, par exemple. Voici Constance pendant qu'on connaît personne. Oh, mais je suis vraiment stressée tout d'un coup. Imagine que ça marche pas puis qu'Étienne est déçu. Arrête de penser à Étienne, c'est aussi notre projet. Il faut faire pour nous autres. Oh non, Simon. Faire ça devant personne qu'on connaît, il est trop tard, là. Salut les filles! Salut! Vous êtes un peu en avance pour votre spectacle? Il est juste 4 heures. On est venu faire de la promotion. Ah. Ouais, mais c'est un peu gênant, là, de faire ça devant du monde du cégep. C'est pas trop par où commencer. Ah, je vais vous allonger ça. S'il vous plaît, tout le monde, je vais avoir votre attention une minute. Mes amis Constance et Chloé viennent vous parler du spectacle qu'ils vont donner ce soir. Puis je vous conseille d'écouter parce que ça va être super bon. Manquez pas ça. Merci Simon. Bonjour tout le monde. En fait, c'est un spectacle qu'on donne pour financer un voyage international au Honduras. Il va y avoir du chant, de l'humour, de la danse. Oui, puis c'est pour une bonne cause, hein. C'est à 8 heures ce soir. Puis si vous achetez votre billet maintenant, ben on vous donne un rabais d'un dollar. Oui, gênez-vous pas, on vous attend. Je vais vous en prendre deux. Deux billets. C'est sûr qu'elle a un chat. Il est temps que ça commence parce qu'Étienne est en train de faire une indigestion de stress. J'ai changé mon numéro d'ouverture. Ah ouais? Pourquoi tu ne l'as pas monté hier soir? Parce que je l'avais pas encore changé hier soir. Ah. J'espère que ça va marcher. Bon, je vérifie deux, trois affaires, puis on y va. Mm-hmm. Et du côté argent, pensez-vous atteindre votre objectif? Non, je penserais pas. Il y a pas assez de monde. Ah, c'est plate. On a plein d'autres activités prévues, mais le spectacle, c'est vraiment le gros morceau. Puis vous, votre casse-blo, comment ça avance? Ça aussi, ça pourrait aller mieux. Il va nous coûter plus cher que prévu. Attendez une minute, là. Je pense à quelque chose. Nathan, il y a toujours des bonnes idées. Hein? T'sais, l'esprit d'entrepreneur, on l'a pas. Si on met nos deux projets ensemble, on pourrait régler nos deux problèmes en même temps. Comment ça? On pourrait donner une partie de la vente du casse-blo pour financer votre voyage. Mettons $1 par tableau. Mais c'est bon pour leur voyage, mais c'est pas bon pour notre tableau. Oui, parce qu'on fait notre publicité là-dessus. Si les gens savent qu'une partie de la vente des tableaux s'en va à une bonne cause, ils vont en acheter plus. Ouais, c'est pas bête, hein? Puis on peut même augmenter le prix de $1, là, pour être sûr de pas perdre d'argent. On a encore du lousse. Mais Loïc disait que t'avais des idées géniales. Il a raison. Tantôt, je niaisais, mais j'avoue que c'est vrai. Bon, on va aller se préparer, nous autres. Ouais.
J'avais assez peur d'être en retard. Je peux m'asseoir avec toi, Simon? Oh oui, certain, pas de problème. Tu n'es pas supposé venir avec quelqu'un? Oui, mais ma soeur a eu un empêchement de dernière minute. Sa soeur? Ça veut dire qu'elle a peut-être pas de chance. Bon, mais bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir. On va tout de suite commencer la soirée avec un gars qui est vraiment super drôle. Oui, puis ça tombe bien parce qu'il nous fait justement un numéro d'humour. Notre ami Étienne Bugeaud. Salut tout le monde, bonsoir. J'aime mieux vous avertir en partant. Ce que je vais dire s'annonce très bien. Puis ça s'adresse aussi aux célibataires. Donc, j'aimerais savoir dans la salle, est-ce qu'il y a des célibataires, hein, à main levée comme ça, là? Yes, célibataire, elle a pas de chum! J'en reviens pas encore. T'as changé ton numéro juste pour moi. Ouais. Je t'avais dit que j'en devais une. Maintenant, l'équipe. Alors, maintenant, c'est moi qui t'en dois une. Alors, moi, je pars pas d'ici sans savoir ce que tu vas faire avec Sophie. Oh boy, ça veut dire que tu veux coucher ici à soir? Ben quoi? T'as eu la réponse à tes trois questions. Elle a pas 30 ans, elle est sportive, pis elle a pas de chum. Donc, c'est pas évident pantoute. Quoi, tu vas pas y parler? Ouais. J'aimerais peut-être, là, mais... d'un autre côté... Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça a l'air bizarre à dire, là, mais je sais pas, Étienne. Je suis encore plus mélangé que ce matin.